Bon, c'est vrai, j'étais pas là, mais je pense vraiment que ça s'est passé comme ça. En tout cas, un beau jour de l'année 1965, Richard Feynman a réalisé qu'il était impossible de casser un spaghetti en deux. Feynman, le mec qui a bossé sur la bombe atomique et qui a eu un prix Nobel pour ses recherches sur l'électrodynamique quantique. Respect. Ouais. Et cette question l'a fasciné pendant tout le reste de sa vie. Feynman pensait à tort que lorsque le spaghetti se brisait, la vibration l'excitait, ce qui provoquait d'autres fractures. Alors quand je dis exciter le spaghetti, on parle d'excitation au niveau moléculaire. Ça reste un spaghetti. Toujours est-il que cette question a retenu l'attention des scientifiques jusqu'en 2005, où deux chercheurs français ont exposé une solution et obtenu un prix Nobel pour ça. Enfin, plus précisément un prix Ig Nobel, qui récompense les recherches qui font rire puis réfléchir ensuite. Bref, essayons de reconstituer le problème. Si vous prenez un spaghetti par les deux bouts et que vous le pliez pour le casser, celui-ci ne se cassera jamais en deux morceaux uniques. Évidemment, si vous prenez celui-ci en son centre pour le briser, vous obtiendrez deux morceaux. Ah ! Mais à partir d'une certaine distance, il devient impossible de casser le spaghetti en deux. Je suis donc parti à la recherche d'explications afin de comprendre un peu plus comment fonctionne ce phénomène. Ouais, enfin il a quand même passé 90% de son temps à mater des vidéos de chatons. Finalement, après des heures de recherche, j'ai découvert une réponse bien plus complexe qu'attendue. La problématique du spaghetti relève de concepts tels que les ondes de flexion, la fracture en cascade ou d'équations un peu hardcore qu'il m'est totalement impossible d'expliquer, car il m'est encore plus impossible de les comprendre. J'ai mis les liens dans la description pour ceux qui sont joueurs, mais tentons quand même de résumer la solution. Pour commencer, on va simplifier un peu le problème. Si vous prenez un objet flexible mais qui ne casse pas, une règle en plastique par exemple, et que vous pliez celle-ci sur une table, on constate que deux forces s'appliquent, celle que vous exercez sur la règle en appuyant dessus et celle de la table qui résiste d'une valeur égale mais en sens opposé. Lorsque vous relâchez votre règle, celle-ci tente de reprendre sa forme normale mais se retrouve bloquée par la table. La force vers le haut continue donc toujours de s'exercer et la propulse en l'air sur une courte distance. Et c'est globalement la même idée pour notre spaghetti. Quand il est courbé à son maximum, il est prêt à casser en tout point. Lorsqu'il se casse, il tente de reprendre sa forme normale. Le souci, c'est que de la même manière que pour notre règle, le spaghetti tente de reprendre sa forme normale, mais conserve pendant une très courte période la pression que nous avons exercée dessus. Pour schématiser, à l'instant où le spaghetti se casse en deux, seul le bout à côté de la cassure aura directement l'information. Et c'est donc d'abord ce bout du spaghetti qui va commencer à reprendre sa forme normale, puis l'information va parcourir progressivement le reste du spaghetti. Et c'est là que se trouve notre solution. Comme l'information ne se propage pas assez rapidement, cela crée ce qu'on appelle une onde de flexion, qui va traverser le spaghetti et accroître sa courbure à certains endroits. Le spaghetti étant déjà plié à son maximum, cela provoque donc une ou plusieurs nouvelles cassures. Alors évidemment, c'est bien, bien plus complexe que ça. Cela dépend de comment vous exercez votre pression, où se casse le spaghetti, mais globalement, c'est l'idée. Et là où la compréhension de ce phénomène est très importante, c'est qu'il a des applications dans de très nombreux domaines. En architecture, par exemple, pour comprendre la résistance de certains matériaux. Dans le domaine sportif, pour par exemple les sauteurs à la perche, dont les perches cassent des fois en 3. Et même en médecine pour les fractures osseuses, ou dans le domaine de la défense pour anticiper la répartition des fragments d'obus. Bref, voilà comment une question aussi absurde que « Pourquoi les spaghettis ne se cassent jamais en deux ?» peut mener à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Si toi aussi tu te poses des questions un peu étranges ou si tu veux parler de tout et de n'importe quoi, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Et bon appétit !